C'était un visage bien connu des fans de la série Les Sopranos. Paul Herman est décédé ce mardi 29 mars, le jour de son anniversaire. Il aurait dû fêter son 76e anniversaire. Les causes de sa mort n'ont, pour le moment, pas été révélées. Si EST, son partenaire de jeu dans la série à succès, Michael Imperioli, qui a dévoilé la triste nouvelle sur son compte Instagram, ce mercredi 30 mars, comme l'a indiqué Voici, notre ami et collègue Paul Herman est décédé. Un post dans lequel Michael Imperioli en a profité pour rendre un vibrant hommage à Paul Herman, Pauli était tout simplement un mec génial. Un conteur et un raconteur d'histoires de première classe et un acteur d'enfer. Les affranchis, il était une fois en Amérique, The Irishman et, bien sûr, Les Sopranos sont quelques-unes de ses meilleures prestations. Et de conclure, Pauli vivait au coin de ma rue ces dernières années et je suis heureux que nous ayons pu passer du temps ensemble avant qu'il ne nous quitte. Il va me manquer. J'envoie beaucoup d'amour à sa famille, ses amis et sa communauté d'acteurs et de cinéastes. La carrière riche de Paul Herman. Si Paul Herman était bien connu pour son rôle de Binzi Gaeta dans Les Sopranos, aux côtés de James Gandolfini, il avait eu une carrière riche et collaboré avec de grandes stars du cinéma américain. Il avait notamment joué dans Happiness Therapy en 2012 qui rassemblait Bradley Cooper, Jennifer Lawrence ou encore Robert De Niro. Paul Herman avait plusieurs fois collaboré avec Robert De Niro, notamment dans It, Casino et dernièrement, en 2019, dans The Irishman, réalisé par Martin Scorsese. Woody Allen avait également fait appel à ses talents pour plusieurs de ses films, comme La Rose Pourpre du Caire, Radio Days, Coup de Feu sur Broadway ou Maudite Aphrodite. Loading Widget.